Ça m'a manqué de ne pas entraîner, de ne pas être avec avec l'équipe et avec les joueurs. C'est important de retrouver le rythme le plus vite possible et surtout après une semaine internationale. Je pense que c'est aussi ce qui a manqué contre Ivry. Et il faut retrouver le plus vite possible. Donc moi c'est surtout ça qui m'a manqué. Le plus dur du championnat de la saison, ça va venir maintenant, avec des matchs très importants dans la Ligue des Champions et des matchs deuxième saison de la Little Star League. Et je pense que c'est toujours la période la plus importante pour un club comme Paris. Donc il faut rester concentré jusqu'au fin de saison et après essayer de progresser chaque saison un peu. Pour moi, c'était une déception de ne pas jouer la Final Four en décembre. J'avais pas de chance, mais j'espère qu'on va quand même jouer une Final Four encore cette saison à la fin de la Ligue des Champions. Maintenant, ce sont des matchs un peu comme la Coupe qui sont vraiment importants directement des débuts. Et il ne faut rien lâcher, même pas la première match. Et après le deuxième match, il faut être concentré encore. Et je pense que c'est une super équipe. Je pense qu'ils ont quand même resté dans le match jusqu'au bout contre Barcelone, le dernier match qu'ils ont joué. Donc on sait que c'est une super équipe et il faut vraiment jouer sur un très haut niveau pour les battre. Le plus dur pour nous, c'est d'être à 100% de tous les matchs. On joue quand même beaucoup de matchs et je pense que c'est super dur d'être concentré 60 minutes à 100%. Mais c'est qu'est-ce qu'il faut contre les équipes comme Serie A, mais aussi contre les autres équipes en championnat. Et des fois, c'est pas facile, mais je pense que maintenant, c'est le moment qu'il faut vraiment être à 100%.